Bonsoir, bonsoir, comme ça à tous nos fidèles auditeurs de la chaîne Réveil TV, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir pour la première fois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bel et bien vendredi le 14 avril 2023 et il est bel et bien 16h03. Désolé pour les 3 minutes de retard, vraiment pardonnez-nous. Et nous allons devoir commencer avec notre émission. Et nous allons commencer l'émission par la prière. Adonai Père Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce Jésus et nous te disons infiniment merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton amour indescriptible que tu as manifesté encore pour nous, Père. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur, à la croix pour nous. Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous as aimés, Père éternel. C'est pour cela que tu es venu mourir pour nous à la croix. Et tu ne veux pas que quelqu'un périsse, Seigneur. Tu ne veux que personne périsse parmi nous, Seigneur. Et c'est à cause du fait que tu ne veux pas que les gens périssent, que tu as suscité également cette chaîne pour interpeller ton peuple à se réveiller, pour interpeller le peuple, Père éternel, à sortir du péché. Papa, en ce moment, nous allons parler encore en ton nom. Nous prions que tu prennes le total contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu glorifies ton nom au nom de Jésus, que tu touche un cœur, que tu ramènes des cœurs à toi au nom de Jésus, que tu étends ta main de puissance, Père, et que, Seigneur, les cœurs les plus endurcis soient brisés et reviennent à toi au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous proclamons ton règne en ce lieu, nous réprimandons toute résistance, tout esprit derrière les ondes, Seigneur, nous les chassons au nom de Jésus, nous les réprimandons au nom de Jésus et nous proclamons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler encore sur un autre thème qui est celui des noces de l'agneau. La Bible nous parle du retour du Seigneur, comment est-ce qu'elle s'effectuera. Et la Bible nous parle également de cette rencontre qui aura lieu après l'enlèvement avec le Seigneur. Et ce soir, je veux qu'on s'attarde sur les noces, sur comment est-ce que ces noces-là se passeront. Nous sommes dans le livre de Matthieu 22, à partir du verset 1. Parce que beaucoup seront surpris, je dis bien beaucoup seront surpris, que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens et qui mènent une vie double, une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, seront surpris que ce jour-là, ils ne seront pas avec le Seigneur. Et tel message, ce n'est pas pour vous condamner, merci pour interpeller chacun à mettre de nouveau sa vie en règle avec le Seigneur. La Bible dira, alors Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit. La suite, et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes, grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. » Ici, il dit, bon, je vais d'abord parler un peu à ce niveau, revenir à partir du verset 2. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces pour son fils. Il envoya les serviteurs pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces. On comprend ici que le Seigneur nous explique comment est-ce que ça se passera. Et quel est l'appel qu'il lance aux gens à partir de maintenant? Donc ça, c'était un message de manière prophétique
que le Seigneur était en train de donner aux disciples, en train de dire ce qui va arriver au temps de la fin. Il était en train d'expliquer cela en disant que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit une fête. Parce que la rencontre avec le Seigneur, ça sera un moment de fête, un moment de réjouissance, un moment également de célébration avec le Seigneur. Et la Bible dira, il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ça, c'est la première invitation que le Seigneur a tendue. Il a envoyé ses serviteurs. Tu vas peut-être me poser la question que les serviteurs là, c'est qui? Ce sont les qui sont ces serviteurs? Ces serviteurs, c'est les nous comme ceci et d'autres prédicateurs également dans la nation qui parlent de Jésus-Christ de Nazareth, qui parlent, qui interpellent les hommes à se tourner vers le Seigneur. Parce que ça, c'est des messages qu'on n'aime même plus prêcher, on n'aime même plus parler du retour du Seigneur qui est aussi imminent. S'il y a quelque chose qui est très imminent dans la prophétie biblique, c'est ce retour-là qui s'annonce de manière très, très imminente. Mais dans la plupart de nos assemblées, malheureusement, les gens n'aiment plus parler de ce sujet. C'est un sujet comme si, qui heurte un peu les gens, parce que les gens voient que mais, ils vont laisser leur grosse voiture qu'ils ont achetée, ils vont laisser leur maison qu'ils ont bâtie, ils vont laisser toutes ces choses-là pour... Non, non, non. Et comme ils ont un avenir incertain, ils ne veulent pas, ils ne veulent même pas qu'on parle de cela. Ils veulent plus qu'on parle uniquement des choses de la terre, des choses qui vont leur faire plaisir sur cette terre-ci. Et la Bible dira que quoi? Il envoie des serviteurs pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, il a envoyé une première vague des hommes de Dieu. Il a dit, allez leur dire que le temps est arrivé. Comme maintenant, nous sommes en train de lancer l'appel aux hommes dans toutes les nations. Nous sommes en train de lancer l'appel partout pour dire aux hommes que Jésus-Christ est en train de revenir. Que c'est le temps où nous devons nous préparer pour une rencontre avec lui. C'est le temps où nous devons abandonner le péché. C'est le temps où nous devons nous séparer des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est ça le message de ce temps. C'est ça le message de la fin. Le message de la fin n'a rien à voir avec les richesses que nous devons continuer à amasser, les billets de banque que nous devons continuer à amasser, les maisons, toutes ces choses-là. Non, ce n'est pas ça le message, mon frère. Donc, si tu écoutes un autre message qui ne parle pas du retour imminent du Seigneur, en interpellant les hommes à se préparer véritablement, ça veut dire que ce message-là n'a rien à voir avec la volonté parfaite du Seigneur en ce temps de la fin. Et la Bible dira que lorsqu'il a envoyé le premier contingent des serviteurs pour aller interpeller les gens, on dira que quoi? Écoutons la réaction. Il envoya plus appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. On précise bien que les gens ont complètement refusé de venir. Il a dit non. Ils ont dit non, nous sommes occupés, nous on ne veut pas nous venir, nous on ne veut pas de toi. Et maintenant, malgré tout cela, par amour pour ces gens, il dit ceci, il dit maintenant de nouveau, il envoya encore d'autres serviteurs disant, dites aux convives, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes, grasses sont tuées et tout est prêt, venez aux noces. On comprend ici que quoi? La première vague qui était partie n'avait pas les détails que le Seigneur a donnés. La première vague des serviteurs, ils n'avaient pas les détails. Mais la deuxième vague des serviteurs, avec les détails sur ce qui devait se passer, sur la préparation, ce qui avait déjà été fait du côté de la part du Seigneur, ils avaient les détails. Le Seigneur les envoyait cette fois-ci avec les détails pour dire à ces hommes de parler de l'imminence. D'abandonner. Qu'est-ce que je veux dire? De leur parler de la priorité. Comment est-ce qu'il faut abandonner ce que vous êtes en train de faire là pour venir prendre part au festin de l'agneau? Donc, regarde par exemple, je prends un exemple dans le monde, quoi. Quand tu vas voir un peu dans le monde, là, quand quelqu'un fait une fête, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, les gens veulent consommer les repas quand c'est encore chaud.
Tu vois, quand c'est encore chaud et quand c'est bien, personne ne veut manger un repas froid ou un repas tiède ou un repas n'importe comment. Mais, et tu vois, le Seigneur également, lui, il veut, quand il a tellement besoin de son peuple, il a tellement besoin, il veut tellement que nous entrons dans sa présence. Donc, il a un désir ardent de voir des gens se détourner de ce qu'ils sont en train de faire sur la terre. Les choses qui les occupent pour venir prendre part à ce qu'il a préparé pour nous, frères. Ce que nous préparons sur la terre, s'il n'a rien à voir avec ce que le véritable Dieu a préparé pour nous lorsque nous allons aller à sa rencontre. Et la Bible dira, il envoie d'autres serviteurs disant, dites aux convives, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées et tout est prêt. Venez aux noces. Oh Seigneur, le Seigneur vraiment aime son peuple. Il n'a pas donné le détail au premier serviteur, mais il a donné au deuxième serviteur qu'allez leur dire que ce que vous cherchez dehors, ce pour lequel vous êtes, merci Seigneur, ce pour lequel vous êtes en train de vous battre là dehors, celle-là c'est sur la table. Parce que la plupart là sont en train de se battre là dehors pour dire non, il faut que je puisse manger, il faut que je fasse ceci. Le Seigneur dit, mon fils, j'ai déjà préparé ces choses-là pour toi. Tu n'as plus besoin de te battre là-bas. Viens prendre pas au fait, aux noces. Viens prendre part à ce que j'ai préparé pour toi. C'est en d'autres termes ce que le Seigneur est en train de dire aux hommes. Que laissez vos occupations mondaines. Laissez les choses qui ne me glorifient pas. Et tournez-vous vers moi. Parce que j'ai tout préparé pour vous. Il n'y a rien que je n'ai pas préparé. C'est en d'autres termes ce que le Seigneur est en train de vouloir expliquer aux hommes ici. En leur disant, laissez ce que vous êtes en train de faire là. Vous n'avez pas besoin de vous casser les tête pour toutes ces choses inutiles qui sont en train de vous occuper. Parce que le Seigneur avait certainement, lorsque, ça c'est mon interprétation, hein, certainement lorsque les premiers serviteurs sont partis, certainement ils ont dit, ils sont rentrés peut-être dit au Seigneur que, mais Seigneur, voilà ces gens, ils sont occupés à la recherche peut-être des choses du monde, ils sont occupés à toutes ces choses-là. Mais le Seigneur maintenant dit, ah, ils peuvent être en train de chercher ce que j'ai préparé pour eux. C'est pour cela que maintenant qu'il envoie une nouvelle vague de serviteurs, qu'est-ce qu'il fait? Il est précis, dites aux convives ce qui est déjà présent. Donc ça veut dire que quoi? Ce que tu es en train de chercher sur la terre, en croyant que ça va te suivre après ta mort, ça n'a pas, mon frère, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas. Le Seigneur ne gère pas tes choses là, frère. La chose que le Seigneur a besoin, c'est tout simplement de ton cœur. Il a besoin que tu te tournes véritablement vers lui. Il a besoin que tu abandonnes tes multiples activités pour le suivre, pour l'écouter. Parce qu'il a préparé quelque chose de meilleur pour toi, frère. Parce que l'homme fait quoi? Tout ce que nous cherchons dehors, c'est pourquoi? C'est pour le ventre. Et la médiocre, c'est pour le ventre. La plupart des temps, tout ce que l'homme cherche, là, c'est pour bien manger, bien se vêtir, bien faire, bien avoir, bon, peut-être avoir l'autorité, une certaine position sociale. C'est pour ça. Mais le Seigneur leur dit non, j'ai tout préparé. Quand tu vas voir dans Jean 14 là-bas, il pourra dire que quoi? Je monte vous préparer une demeure. Donc tu n'as pas besoin, ta véritable demeure n'est pas sur la terre, frère. Nous tous là, nous ne sommes que des voyageurs, nous ne sommes venus avec rien sur la terre. Et nous nous battons pour avoir les choses sur la terre, mais personne ne va mourir parti avec quelque chose, mon frère. Même si on tentait avec la voiture, même si on tentait avec ton argent, cela va périr. Ça sera pour les termites là-bas dans la terre. Mais où sera ton âme? Où sera ton esprit, mon frère? C'est ça, c'est là où se trouve l'enjeu. C'est là où se trouve toute chose. Et le Seigneur dit, les choses que tu es en train de te battre dehors pour chercher, j'ai préparé cela pour toi, frère. J'ai préparé pour cela pour toi, ma fille. J'ai préparé cela pour toi, mon fils. Tu as besoin tout simplement de répondre à mon appel. C'est ce que le Seigneur voulait dire en d'autres termes. Tu as besoin tout simplement de répondre à l'appel du Seigneur dans ta vie. Tu as besoin de laisser ce pour lequel tu es en train de te battre pour répondre à l'appel du Seigneur. Tu vas peut-être dire, ah, qui va payer mes factures? Qui va payer ceci? Si je réponds à l'appel du Seigneur. Mon frère, Genèse, la Bible me dit, Dieu n'a jamais abandonné le juste. On n'a pas encore vu où le Seigneur abandonne le juste, mon frère, non. Le Seigneur n'a jamais abandonné le juste. Donc viens et le Seigneur saura comment est-ce qu'il va gérer. Il va gérer avec toi, frère. Et la Bible dira que quoi? Quelle était la réaction? Malgré que
Les gens ont écouté ce que le Seigneur avait préparé pour eux. Quelle était leur réaction? Il a dit, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Et tu comprends même, il précise bien les bêtes grasses. Donc ça veut dire, ce que Jésus a préparé pour toi, c'est ce qu'il y a de meilleur, mon frère. Il n'a pas préparé les choses chétives, comme nous avons souvent l'habitude de voir ici. Que quand quelqu'un veut faire même une offrande à Dieu, il va chercher une bête chétive, ou il va chercher un poulet qui est tordu, qui est il y a presque mort pour venir offrir à Dieu. Mais le Seigneur dit, il a préparé quoi? Les bœufs et les bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Il dit, tout est prêt, mon frère. Tout est prêt. Venez aux noces de l'agneau. C'est encore ce que le Seigneur nous dit. Il dit, venez aux noces. Mais le verset 5 dira ceci. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Merci. Et regarde ce qui se passe. On dit bien sans s'inquiéter de l'invitation. Il s'en allait, celui-ci a son champ. Qu'est-ce que nous partons chercher dans le champ? Mais c'est ce que le Seigneur était en train de leur proposer. Le Seigneur leur disait, venez, j'ai préparé ce qui sort de votre champ, le fruit de ton trafic. Parce que quand on fait le trafic veut dire le commerce. Et le commerce, c'est pour avoir quoi? C'est pour répondre à nos besoins. C'est pour répondre aux besoins, là, aux besoins de la nourriture et un certain nombre de choses. Tu comprends, frère? Donc, ça veut dire, le Seigneur a tout préparé pour nous. La chose dont tu as besoin, c'est de te tourner véritablement vers le Seigneur. Tourne-toi vers Jésus-Christ de Nazareth et tu verras que tu ne seras pas déçu. Il dira, l'autre a son trafic, le verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, leurs outrageurs et leurs tuèrent. Le verset 7, on peut continuer. Verset 7. Et le roi fit irriter, il envoya des troupes, fit périt ce meurtrier et brûla leur ville. Frère, ce n'est pas mon souhait, même à mon pire ennemi, même à celui qui m'a fait le plus du mal sur la terre, je ne peux pas souhaiter qu'il périsse, mon frère. Je ne peux pas souhaiter que le maître puisse laisser sa colère s'abattre sur lui. C'est pour cela que nous vous interpellons, frère. Sortez de la vie dans laquelle vous êtes pour vous tourner véritablement vers le véritable Dieu. Et le verset 7 dira, on va continuer. Et le roi fut irrité, envoyé des troupes et fit périr ses maîtres et brûla leur ville. Verset 8 maintenant. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Verset 9. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Verset 10. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Tu peux souligner à la maison l'habit de noces. C'est là où nous allons parler. Continue, verset 12 maintenant. Il lui dit, mon ami, tu vas souligner également chez toi à la maison, mon ami. On a parlé de mon ami. Comment es-tu entré ici sans avoir les habits de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Verset 13, lisons ce qui s'est passé. Alors le roi dit à ses serviteurs, liez-le, les pieds, les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Revient au verset 12 maintenant, nous allons parler de mon ami. La Bible dirait ici ceci, avant de parler de mon ami, le roi est entré dans la salle des noces, il a vu quelqu'un qui avait revêtu quoi? Qui n'avait pas revêtu l'habit des noces. Il a dit, il a appelé cette personne mon ami. Je veux qu'on comprenne une chose, quand le Seigneur parle de mon ami, c'est quoi mon ami? Nous allons tous voir ensemble que dans la Bible, le Seigneur n'a pas appelé beaucoup de personnes mon ami.
La révélation de mon message se trouve au niveau de mon ami. Le Seigneur n'a pas appelé tout le monde mon ami. Quand nous lisons, même pour arriver à une phase d'amis, quand le Seigneur marchait avec les disciples, il a dit aux disciples que quand il les a révélé un certain nombre de choses, que désormais je ne vais plus vous appeler mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Tu comprends que l'ami, quand le Seigneur appelle quelqu'un mon ami, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaissait quoi? Regardons un peu, si nous rentrons dans Genèse là-bas, le Seigneur appelait Abraham son ami. Tu vas voir pourquoi le Seigneur appelle des gens mon ami. C'était des personnes qui étaient très proches du Seigneur. C'était des personnes qui connaissaient la communion avec Dieu. C'était des personnes qui connaissaient les profondeurs de Dieu. Le Seigneur n'a pas appelé quelqu'un mon ami en vain. Je crains une chose, mon frère, que ce jour des noces, ce jour-là, le Seigneur ne t'appelle également mon ami. Mon ami, c'est certainement quelqu'un qui parlait en langue dans l'assemblée. C'est quelqu'un qui s'est converti. C'est quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est quelqu'un qui a connu les profondeurs de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quelqu'un qui a eu une communion, une marche avec le Seigneur à un certain moment donné. Parce que le Seigneur ne peut pas t'appeler mon ami s'il n'y a pas eu au préalable un rapprochement avec lui, frère. C'est quelqu'un certainement qui imposait les mains aux malades. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des miracles. C'est certainement quelqu'un qui connaissait Dieu, qui connaissait le corps de Dieu, mais qui avait décidé de marcher comme il voulait, frère. Es-tu cette personne? Ça, c'est la question que tu dois te poser ce soir. Est-ce que tu es cette personne? Comment est-ce que Dieu t'appelle? Es-tu cette personne? Es-tu cet ancien? Es-tu ce pasteur? Es-tu ce diacre? Es-tu cette personne? Comment est-ce que le Seigneur t'appellera au dernier jour, mon frère? Regarde à ta vie. On voit quelqu'un qui avait été convoqué. Quelqu'un que le Seigneur a pris la peine de dire, mon ami, comment n'as-tu pas revêti les habits de noces? C'est certainement quelqu'un qui avait revêti un habit, mais rempli de sur ses habits, qui était rempli de taches. Et le Seigneur dira, ce genre d'habits, tu ne peux pas entrer dans mon royaume, frère. C'est pour vous dire, il y a une invitation au salut, mais ce n'est pas tout le monde qui entrera là-bas. Oui, frère. C'est seuls ceux qui se seront séparés du péché, ceux qui auront accepté de renoncer à leur mauvaise vie, ceux qui auront accepté de marcher selon l'instruction que le Seigneur donne, frère. Ma prière pour toi ce soir, c'est que ce jour-là, tu puisses être capable de te tenir devant le Seigneur et de ne pas être rejeté après par le Seigneur. Parce que beaucoup seront surpris ce jour, frère. J'ai dit bien, beaucoup seront surpris ce jour. Beaucoup seront surpris. Beaucoup sont dans les assemblées. Mon ami, c'est certainement quelqu'un qui est proche du leader, mais qui mène une double vie. C'est certainement quelqu'un qui communie dans l'assemblée des saints, mais qui a sa copine dehors, qui trompe sa femme à la maison, qui trompe ses enfants avec les autres, peut-être même avec les copines de ses enfants. C'est certainement peut-être un leader qui a l'assemblée, qui passe le temps à prélever les offrandes bizarres que Dieu n'a pas instaurées dans sa parole, qui torture le peuple pour avoir de l'argent. Et qui prend cet argent pour s'acheter les grosses voitures, les grosses maisons, rouler dans les cabots, ses dettes privées, toutes ces choses-là, au déprimant des pauvres dans l'assemblée. C'est certainement quelqu'un qui prend même la Sainte Cène dans l'assemblée, qui est très proche des hommes. La Bible dira que quoi? On peut tromper, vous pouvez nous tromper, frère, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Les qui étaient les portiers au ciel là-bas pour permettre, les qui gardaient l'entrée pour regarder les hommes avec la tenue. Ces hommes-là, la personne-là, il a réussi à se déjouer même de l'attention des anges ou bien des serviteurs de Dieu qui étaient là.
Il avait peut-être des œuvres qu'il présentait aux hommes. Mais comme Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas seulement aux œuvres que tu fais, frère. C'est bon, gloire à Dieu pour les œuvres. Hein? Mais Dieu regarde à la motivation pour laquelle tu fais ces œuvres. Est-ce que tu fais ces œuvres pour être vu? Est-ce que tu fais ces œuvres pour être acclamé? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que les disciples, les serviteurs de Dieu que le Seigneur avait envoyés, ces messagers, ils sont partis, ils ont obéi, ils ont rempli la salle comme le Seigneur a demandé. Et la condition, c'était qu'il fallait avoir une tenue. Certainement, la tenue de cet homme n'était pas visible aux yeux humains. La saleté qu'il avait sur sa tenue n'était pas visible aux yeux humains. Mais comme Dieu, rien n'est caché devant lui, quand cet homme s'est présenté devant Dieu, Dieu a dit, comment es-tu entré ici sans habit? Dieu le voyait nu. Dieu le voyait sans habit de nos frères. Parce qu'il y a une tenue que nous devons revêtir. C'est ça souvent quand ça m'a souvent surpris. J'ai dit, mais Seigneur, le Seigneur m'a dit, il y a des choses qui sont cachées aux yeux des hommes. Il y a des choses que nous ne pouvons voir que lorsque nous nous rapprochons du Seigneur. Il y a des péchés qui sont dans les cœurs des hommes. Que seul le Seigneur peut te révéler ce péché. C'est pour cela que tu dois aller dans sa présence, frère. C'est comme le cas avec l'homme riche. L'homme riche s'est rapproché du Seigneur. Il a posé la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle? Qu'est-ce que Dieu a dit? Le Seigneur lui a dit. Le Seigneur lui a dit, que dit la loi? Que tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras pas ça, 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 ça. Le Seigneur a listé une liste de choses. Et le gars dit, ah, moi là, je ne me retrouve pas dedans. Hein. Il a commencé à se réjouir de sa position. Il a dit, moi, je ne me retrouve pas dedans. J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Mais il y avait quelque chose qui était caché en son cœur. Dont lui-même il ignorait. Il avait certainement beaucoup d'argent. Peut-être il faisait également des offrandes. Il faisait des offrandes de manière superflue. Il donnait son superflu, comme le Seigneur le dit, a dit lorsque il a vu les gens déposer l'argent dans les troncs. Il donnait certainement de son superflu à l'église. Que peut-être il a 1 milliard, il vient donner 1 000 francs ou 10 000 comme les autres personnes. De qui se moque-t-on? Il a peut-être 1 million à la dans la maison. Mais quand il faut donner l'offrande, il se bat pour sortir peut-être 200, 300 ou 500 pour donner. De qui se moque-t-on? Il sort ou bien il sort 100 francs ou bien il sort 1000 francs pour donner à l'assemblée pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce péché était caché aux yeux de l'homme riche. Il a fallu qu'il se rapproche du Seigneur. Pour que le Seigneur puisse lui dire. Quand le Seigneur disait à l'homme riche, va vendre, ce n'était pas que le Seigneur ignorait qu'il était cupide. C'est que le Seigneur voulait amener l'homme riche à réaliser sa cupidité. Le Seigneur voulait l'amener à comprendre que mon frère, ta justice là, ton cœur là n'est pas droit devant moi, frère. Que ton cœur là, il y a la cupidité encore dans ton cœur, frère. Et c'est comme ça que lorsqu'il s'est rapproché, le Seigneur lui a dit, va, vend. Il a regardé toutes les richesses. Il avait oublié que le Seigneur avait préparé quelque chose pour lui là-haut. Il avait préparé une richesse, puisque le Seigneur l'a même promis. Que va et vend et tu auras un trésor dans les cieux. Donc il a préféré refuser le trésor qui est dans les cieux. C'est comme beaucoup aujourd'hui ont rejeté le trésor céleste. Beaucoup ne veulent pas ce trésor là. Beaucoup veulent le maturé, ils veulent maintenant. Ils veulent le là. Parce que leurs cœurs sont quoi? Attachés au ciel, aux choses de la terre. Leurs cœurs ne sont pas attachés au ciel, frère. Et c'est ce qui se passe dans cette génération-ci. Où nous voyons des hommes où tout leur objectif, leur but sur la terre, c'est d'amasser les choses sur la terre. Ce n'est point de se faire des trésors là-haut. Là où la terre ne peut point atteindre, frère. Tu vas me poser comment est-ce que je peux amasser au ciel. Frère, on amasse au ciel en donnant aux pauvres, en soutenant l'évangile. C'est comme ça qu'on amasse dans le ciel. On s'amasse les trésors dans le ciel. Donc ça veut dire si le Seigneur t'a béni sur le plan financier, frère. L'argent qui t'a béni, c'est pour que tu puisses aider les pauvres. C'est pour que tu puisses aider les orphelins. Et pour que tu puisses faire prospérer également l'évangile dans le coin là où tu te trouves, frère. Pour que l'évangile puisse être facile à prêcher.
que tu mettes cet argent à la disposition pour prêcher l'évangile, frère. En ce moment, quand tu fais cela, tu es en train de t'amasser des richesses qui ne pourront, que la rouille ne pourra jamais toucher. Tu es en train de t'amasser les richesses extraordinaires dans les banques qui ne feront jamais faillite. Or, là où vous mettez vos banques, votre argent dans les banques suisses, dans les comptes un peu de partout là, parfois on saisit votre argent, hein, frère. On bloque même cet argent où la banque peut faire faillite à un certain moment donné et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Or, si tu étais parti déposer ton argent dans la banque céleste en faisant comme le Seigneur a demandé, tu t'aurais amassé un trésor énorme que tu auras reçu après ta mort, frère. C'est pour dire, frère, ne nous moquons pas du Seigneur. Arrêtons de se tromper nous-mêmes. Arrêtons de tromper les uns et les autres que nous servons le Seigneur. Tu peux venir à l'assemblée tous les jours des réunions, tu es fidèle, toutes ces choses, mais tu vis dans le concubinage, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le péché, tu vis dans toutes ces choses. Et la Bible dira, on a vu tous ensemble le sort de cet homme. On a dit, liez-le et jetez-le dans les ténèbres. C'est ça la fin des hommes cupides, la fin des fornicateurs, la fin de ceux qui n'auront pas respecté le Seigneur lors de leur séjour sur la terre. Ce sera leur fin. Ils seront liés et jetés dans le ténèbre de dehors, là où il y a les pleurs, là où il y a les larmes, frère. Mais le Seigneur ne veut pas ça pour toi qui m'écoutes. C'est pas pour ça que le Seigneur nous a envoyés. Le Seigneur ne veut pas ça pour toi. C'est pour cela qu'il nous envoie te présenter la vérité. A dit, mon frère, ma soeur, tu peux tromper l'homme de Dieu qui prêche. Tu peux me tromper, mon frère, en venant laver le sol ici. Tu peux me tromper en venant ranger les appareils. Mais dans ton lieu de service, c'est toi qui fais la fraude. Dans ta maison, c'est toi qui es cupide. Dans ta maison, c'est toi qui trompes ta femme. Tu trompes tes enfants. Tu passes le temps à avoir un cœur méchant. Tu peux me tromper, frère, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. La preuve que cet homme avait réussi à entrer. Il avait réussi à entrer dans la salle des noces. Il avait réussi en trompant la vigilance des serviteurs qui avaient été envoyés pour les appeler. Il avait réussi à les tromper avec son vêtement. Son vêtement avait l'apparence de la piété, mais ça, il avait régné la piété au fond de lui. Le Seigneur l'a appelé mon ami. Frère, vous allez méditer, tu pourras méditer toi-même encore sur la parole de mon ami. Je t'interpelle à regarder ta vie. Examiner ta vie, examiner ton lieu de service, examiner ta marche avec le Seigneur. Est-ce que ce jour, le Seigneur pourra t'appeler mon ami? Est-ce que ce jour, le Seigneur pourra te dire mon ami, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ce jour, le Seigneur pourra te dire mon ami, viens? Ou bien va dire mon ami, pars, liez-le, ce genre d'ami, c'est un mauvais ami. Pour ma part, je ne veux pas que le Seigneur m'appelle ainsi. Je ne veux pas non plus également que le Seigneur t'appelle également mon ami. Le Seigneur décrit, pour vous qui croyez qu'on ne perd pas le salut là, on perd le salut, frère. Ça, c'est la situation de quelqu'un qui connaissait le Seigneur, mais qui a été rejeté par le Seigneur à cause de quoi? De l'iniquité qu'il commettait. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines maintenant. Non, quand on a reçu, on est sauvé pour sauver. Non, on peut vivre comme on veut, mais on sera sauvé. Moi, j'ai suivi un prédicateur satanique du côté des États-Unis qui disait que tu peux sortir, tu peux aller faire le... Tu peux, lui, puisqu'il défend le sauvé, c'est sauvé. Et il disait que non, un homme peut aller coucher avec une femme. Malgré qu'il a couché avec cette femme, il se lève. Il est en train de rentrer chez lui, il ne se repent pas, étant chrétien, et sur la route, il fait l'accident, il meurt, il part au ciel. J'ai dit que waouh, ça c'est des satanistes. Tu ne te repens pas, tu vis dans la pratique du péché, où tu trompes ta femme tous les jours. Tu meurs sans te repentir, tu pars au ciel, parce que le ciel c'est la poubelle. Voilà la preuve maintenant. Voilà la preuve, il n'a pas pu entrer. Il n'a pas pu accéder au ciel. Il n'a pas pu entrer. Il avait connu le Seigneur.
Donc ça veut dire, toi qui connais le Seigneur, toi qui chantes dans les assemblées, ne crois pas que le fait de chanter fait de toi que tu es à une place sûre au ciel. Le fait de prêcher l'évangile ne te garantit pas ton salut, frère. Tu peux prêcher l'évangile et désobéir au principe de l'évangile, frère. Et en ce moment, tu iras en enfer. Tu peux être un serviteur de Dieu, tu annonces l'évangile, tu montes, tu descends, mais tu désobéis toi-même au principe de l'évangile et tu meurs, tu n'entres pas au ciel. Où iras-tu, mon frère, si tu meurs ces jours-ci? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Que si je meurs ce soir, où est-ce que je vais aller? Me voici, je suis chrétien. Je suis ancien d'église depuis plus de 10 ans. Mais je n'arrive pas à me séparer de ma copine. Si je meurs dedans, où est-ce que j'irai? Je suis ancien d'église. Mais je n'arrive pas à me séparer de l'alcoolisme, du tabagisme. Je n'arrive pas à me séparer de la violence, de la colère, de toutes ces choses-là. Si je meurs, où est-ce que j'irai? Est-ce que je prendrai part aux noces de l'agneau? Non, frère. Très peu de personnes prendront part aux noces, frères. Parce que ça sera une élection sélective à ce niveau. Le Seigneur va sculpter toutes les motivations pour lesquelles tu as fait son œuvre. Toutes les motivations te seront présentées devant ton cœur. Donc toi qui fais les choses pour être vu, pour être acclamé, pour être célébré, c'est le temps de commencer à revoir tes motivations devant le Seigneur. C'est le temps de commencer à te repentir. C'est le temps de commencer de crier à Dieu. Seigneur, délivre-moi de ces mauvaises motivations. Seigneur, arrache le monde dans mon cœur. Seigneur, sépare-moi du monde. Seigneur, sépare-moi de ces choses-là. C'est le temps pour toi de commencer à crier à Dieu par rapport à cela. Sinon, mon frère, la fin pour toi sera comme cet homme qu'on a lié et jeté. Ça t'aurait servi à quoi? Mieux tu fais comme les satanistes là-dedans. D'être dans la maison de Dieu, ne pas être fidèle à Dieu. Ça t'aurait servi à quoi, mon frère? Ça t'aurait servi à quoi, ma soeur? D'avoir lavé le sol de l'assemblée pendant des années. Et que le jour-là, tu meurs à cause du copain, à cause de la copine. Et tu n'entres pas dans le royaume. Ça t'aura servi à quoi? Tous ces sacrifices que tu auras fait, t'aura servi à quoi? Ça t'aurait servi à quoi de venir donner ton argent, d'aller voler beaucoup pour venir donner une partie pour purifier la conscience? Ça t'aurait servi à quoi? Frère, ce que le Seigneur nous attend en ce temps de la fin, c'est l'obéissance à sa parole, frère. Ce n'est pas les sacrifices que nous apportons dans la maison du Seigneur qui fait quelque chose, qui réjouit le cœur du Seigneur, non. C'est l'obéissance à sa parole qui réjouit son cœur, frère. C'est l'obéissance qui réjouit le cœur du Père. Ce n'est pas le sacrifice, le nombre de choses que nous avons données. Parce que je vois souvent beaucoup, ils ont un record, une liste de ce qu'ils ont donné au Seigneur. Tu vois, j'ai donné ceci, j'ai donné. La chose que le Seigneur veut d'abord, c'est ton cœur, frère. C'est ton cœur que le Seigneur veut. C'est ton péché là que le Seigneur veut prendre. C'est ton orgueil là que le Seigneur veut prendre. C'est ta colère là que le Seigneur veut prendre. C'est ton adultère là que le Seigneur veut prendre. C'est ton moi que le Seigneur veut prendre, frère. C'est ça que le Seigneur veut que tu lui donnes d'abord. Le Seigneur ne veut plus que tu restes avec ton moi. Le Seigneur veut que tu lui donnes ton moi. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut te libérer de ces choses-là, frère. Tu as besoin en ce temps de la fin de te tourner vers le véritable Seigneur, frère. Et d'abandonner, de renoncer à la mauvaise voie, aux voies méchantes dans lesquelles tu es, frère. Renonce à ces voies. Sinon, tu ne prendras pas point part. Tu ne pourras pas prendre part aux noces de l'agneau, frère. Les noces ne seront pas pour tout le monde. Ça sera seul pour ceux qui ont le cœur pur, frère. Ça sera pour ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui sont droits, qui marchent de manière intègre avec le Seigneur. Ça sera pour eux, frère. Les promesses du Seigneur sont pour ceux qui sont intègres dans toute leur voie. Ça ne sera pas pour ceux qui sont aujourd'hui avec Dieu, demain ils sont avec le diable, le soir ils sont avec le marabout. Non, ça ne sera pas pour ceux-là, frère, non. Mais ça sera uniquement pour ceux qui ont pris position par rapport à la vérité. C'est pour eux que les noces là seront. Et la Bible dit,
Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le les pieds, les mains, emportez-le, jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y aura peu d'élus. Et on comprend ici que l'élu là, parce qu'il faut bien comprendre ce que veut dire élu. Élu, c'est ceux qui ont répondu positivement à l'appel. Ça veut dire tout le monde a reçu l'appel. Personne ne dira qu'il n'a pas été appelé. Parce que là, au travers, toi qui nous écoutes, tu ne diras pas que le Seigneur ne t'a pas tendu l'appel. Le Seigneur te sert de ma voix pour te tendre l'appel, pour lancer l'appel dans ta maison. Toi qui nous écoutes. Mais maintenant, combien est-ce que l'élu, c'est celui qui a répondu à l'appel? Est-ce que tu réponds à l'appel, frère? Est-ce que tu as répondu à l'appel que le Seigneur te tend? L'appel à la repentance. Est-ce que tu réponds à cet appel-là? Hein? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que j'ai répondu à l'appel? On répond à l'appel en se séparant également des choses du monde, en se séparant des choses de la terre, en disant que bon, j'accepte Jésus-Christ, j'accepte sa vie, j'accepte également sa mort, j'accepte également sa résurrection en moi. Et désormais, je m'engage à vivre comme il demande. Désormais, je m'engage à me séparer des choses qui ne le glorifient pas. Désormais, je m'engage à me séparer de la méchante vie dans laquelle j'étais. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous en ce temps de la fin, frère. C'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi en ce temps difficile, en ce temps compliqué, que nous puissions prendre position par rapport à la vérité, que nous puissions prendre position par rapport à sa parole, frère. Où est-ce que tu iras? Est-ce que tu prendras part? Je veux conclure avec cela. Est-ce que tu prendras part aux noces de l'agneau? La question t'est posée ce soir. Et le Seigneur, dans son amour indescriptible qu'il a pour l'homme, ne nous envoie pas te condamner. C'est juste pour t'interpeller, ma soeur. C'est pour t'interpeller, mon frère, toi qui nous écoutes. Te dit Jésus-Christ t'aime. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Il y a encore la possibilité de faire marche arrière. Il y a la possibilité de te séparer du vol. Il y a la possibilité de te séparer de ta copine et d'être accueilli par le Seigneur. Il y a la possibilité de revenir dans la maison du Seigneur. Il y a encore cette possibilité ce soir. Le Seigneur te tend la main ce soir. Toi qui m'écoutes à la maison, le Seigneur te tend la main ce soir. Il te dit, reviens ma fille. Il te dit, reviens mon fils. Il te dit, reviens, reviens famille. Il te dit, Libreville, reviens. Port Gentil, reviens. Revenez à moi. Je ne vous condamne pas. Revenez à moi. Revenez à moi. Le Seigneur nous appelle ce soir à la repentance. Le Seigneur nous appelle ce soir à reformer nos voies. Le Seigneur nous appelle ce soir à changer de mentalité. Le Seigneur nous appelle ce soir à nous tourner de nouveau vers lui. Le Seigneur nous appelle ce soir. Es-tu prêt, toi qui m'écoutes à la maison, es-tu prêt à renoncer à cette mauvaise voie-là? Es-tu prêt à te tourner véritablement vers le Seigneur? Es-tu prêt à abandonner la vie du péché? Si tu es prêt, on va élever la prière ensemble. On va prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, je te rends grâce pour la parole qui est sortie ce soir. Je te dis merci parce que je me suis reconnu dedans, Père. Et je viens me jeter à tes pieds pour te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne tous les péchés que j'ai commis en pensée, en parole et en acte. Pardonne l'adultère dans lequel j'ai été. Pardonne l'orgueil dans lequel j'ai été. Pardonne la cupidité dans lequel j'ai été. Pardonne le vouloir être vu, le vouloir être acclamé, le vouloir être célébré.
Pardonne, Seigneur, tout ce que j'ai commis qui ne t'a point glorifié. Tu peux continuer à citer dans ton cœur tout ce que tu as commis qui n'a point glorifié le Seigneur. Seigneur, pardonne, Seigneur. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui veut que le pécheur se repente et qu'il se tourne de nouveau vers toi. Seigneur, pardonne également la vanté de l'Évangile dans lequel nous avons été, Seigneur. Nous te demandons pardon pour la vente de l'Évangile. Nous te demandons pardon pour les messages que nous avons changés. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour l'abandon de la vérité, Seigneur. Ô Seigneur, pardonne-nous. Pardonne tes serviteurs. Pardonne-nous tous, Seigneur. Nous te supplions de nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous et lave-nous avec le sang de l'agneau. Purifie nos robes. Lave nos robes, Seigneur. Lave nos robes, Seigneur. Lave nos robes. Accepte-nous. Accepte-nous, ô Dieu. Accepte-nous. Accepte-nous dans ta maison. Accepte-nous dans ton royaume, Seigneur. Accepte-nous de nouveau. Seigneur, nous voulons prendre part aux noces de l'agneau, Seigneur. Et nous te supplions, mon Dieu, mon roi, de nous pardonner, de nous accepter au nom de Jésus. Tu vas continuer à répéter en disant, Seigneur, je t'accepte ce soir comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, je t'accepte ce soir comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, je renonce à ma vie. Je renonce à mes désirs, à mes passions, mes envies. Je renonce à tout cela et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. Je t'accepte comme mon roi. Je t'accepte dans mon cœur. Viens et demeure dans mon cœur. Viens et sois mon maître. Viens et sois mon guide. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais maintenant prier pour toi. Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tous ces pères qui ont répondu à l'appel, Seigneur, ce soir. Pour tous ces, mon Dieu, mon roi, qui ont accepté, t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Pour tous ces également qui vivent dans le péché et qui, Père éternel, Seigneur, ont décidé de se détourner de nouveau du péché pour se tourner vers toi. Seigneur, je prie que tu les accordes de nouveau ta grâce. Selon ta grâce, tu as dit, tu es un Dieu lent en colère, mais tu es un Dieu miséricordieux, compatissant. Accorde-les de nouveau ta miséricorde et tes compassions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que tous ceux qui t'ont écouté ce soir et qui ont fait cette prière, Seigneur, que tu leur pardonnes, que tu les laves avec le sang de l'agneau, que tu les purifies et que tous ceux également qui ont demandé que tu viennes vivre dans leur cœur, que tu viennes, Seigneur, tu prends possession de leur cœur au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Gloire à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier également. Si tu es malade, tu peux poser la main uniquement là où tu as mal. La Bible dira, le Seigneur Jésus allait de ville en ville et de village en village et il prêchait l'évangile et il guérissait également les malades. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour tous ceux qui ont posé la main là où ils ont mal. Seigneur, je te rends grâce pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Parce qu'à la croix, tu as pris nos maladies, tu as pris nos douleurs, tu as tout pris au nom de Jésus. Je commande maintenant à toute maladie de quitter les corps au nom de Jésus, de quitter les corps depuis la tête jusqu'à la plante des pieds au nom de Jésus. Je réprimande toute forme de maladie au nom de Jésus. Je réprimande toute forme d'infirmité également au nom de Jésus. Je proclame la guérison divine dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Je proclame la restauration divine au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Gloire à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous arrivons au thème de notre émission. Et pour ceux qui ont besoin de prières davantage, ils peuvent appeler au numéro qui s'affiche sur l'écran. Nous sommes disponibles pour vous recevoir, pour davantage partager avec vous.
et prier et vous encourager davantage à marcher sur les voies du Seigneur. Et nous avons également un programme de réveil, un programme de partage également qui se déroule dans les locaux même de la télévision Réveil TV, c'est qui va commencer aux environs de 18h par la grâce du Seigneur. Soyez bénis, soyez encouragés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.